Allez, c'est parti. Jean-Louis Debré, la recette de l'amour, c'est... De se regarder et de s'aimer. La chose que vous préférez faire ? La bicyclette. Si vous étiez un super pouvoir, vous seriez ? Le ministre du bonheur. Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire, Jean-Louis Debré ? Tu es optimiste. À l'heure où je vous parle, vous ressentez quelle émotion ? Aucune émotion particulière. La plus belle... L'émotion, je l'ai eue quand je vous ai vu. Ah. Je suis flattée. La plus belle qualité humaine pour vous, c'est... La franchise. Vos trois plaisirs, vos trois kiffs du moment. À quel point de vue Ce que vous voulez, ce que vous préférez faire, les trois choses. Écoutez, vraiment... Je ne peux pas passer ma journée sans me promener et marcher, parce que c'est là où j'écris en marchant. J'aime la bicyclette et j'adore me mettre à la terrasse d'un café et de regarder les gens qui passent et d'essayer de me dire qu'est-ce qu'il fait ce monsieur. Qu'est-ce qu'il fait dans la qu'est-ce vie qu'elle fait, celle-là. On l'a tous fait ça. Hein. Ouais, c'est un joli exercice. Votre mot préféré ? Amour. Votre surnom ? Je crois que j'en ai pas. Loulou. Loulou, ok. Votre philosophie de vie ? Le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté. Eh bien, on va essayer de garder cet optimisme de volonté. On a encore plein de questions pour vous, Jean-Louis Debré. Notre émission continue avec nos auditeurs qui vous interrogent sur Radio J. Radio J. 15h-16h30. Cyrielle Sarah-Cohen.